par le président de la République. Je dis et je vous remercie. Bien, merci madame pour votre mot. Grâce une fois de plus à la magie de la technologie et de la technique, nous allons faire le voyage Kinshasa-Genève pour pouvoir suivre un mot, c'est la chargée de la coopération suisse. La vidéo, est-ce que la régie, vous êtes là, s'il vous plaît? Vous êtes là? Voilà. Donc, on va suivre un autre mot par vidéo, c'est la chargée de la coopération suisse, madame Denise, s'il vous plaît. De pouvoir prendre part active à la gestion de la chose publique et d'accepter le contrôle citoyen. Il donne aussi aux citoyens le pouvoir d'utiliser des informations pour le développement communautaire. L'information comme bien public passe aussi à la réduction des inégalités hommes-femmes. Toutefois, il faut noter que ce droit à l'information est méconnu par un bon nombre de décideurs politiques et de personnes étatiques. Nombreux citoyens ignorent l'étendue de leur droit à l'information. Il faudra une sensibilisation du public sur l'existence de ce droit. Autrement dit, une promotion du droit d'accès à l'information s'avère nécessaire, affirmons. Cette déclaration a consacré la liberté de la presse en tant que droit fondamental de l'homme. Cette liberté est entendue comme le droit d'informer, d'exprimer ses opinions et ses convictions par des voies légales diverses et celui d'être informé tout aussi librement. Cette liberté est aujourd'hui consacrée par les instruments juridiques internationaux et nationaux. La liberté d'expression et le droit à l'information sont aussi inscrits dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la pratique quotidienne congolaise nous renseigne irréfutablement que la liberté d'expression et d'opinion n'est pas toujours respectée par tous en RDC. Le classement annuel mondial de la liberté de la presse de l'organisation Reporters sans frontières place la RDC à la place 149 de 180 pays. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Aussi en termes de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès à l'information pose des problèmes spécifiques. Par exemple, la radio communautaire étant largement répandue, elle n'est toutefois pas accessible aux femmes et hommes de manière égale. La gestion de la crise liée au contexte de la COVID-19 mérite l'implication des spécialistes en communication afin de pouvoir lutter contre l'intoxication, le tâtonnement, les rumeurs, la désinformation et l'amateurisme des prestataires de services. La presse doit jouer un rôle plus important dans la réduction de la crise à travers l'engagement communautaire. Cependant, la bonne information manque le plus souvent pour contrecarrer et rectifier la provision des rumeurs que les réseaux sociaux répandent actuellement sur la pandémie. La communication pour le changement de comportement s'avère jusqu'à présent un remède redoutable face à cette pandémie. Plus les gens auront de bonnes informations, mieux ils seront à même à faire disparaître ou à contribuer à la disparition de cette pandémie. Depuis presque une décennie, la Suisse soutient un programme d'appui aux médias en RDC. À travers de ce programme, elle contribue au processus de démocratisation et elle renforce les capacités des acteurs du secteur des médias. Elle vise
à la réservation des espaces de dialogue constructif et de redevabilité sociale ainsi qu'à l'amélioration des conditions cadres pour le développement des médias. En outre, la problématique de la sous-représentation des femmes dans les médias est très important pour la suite. Ce sujet a motivé la coopération civile à soutenir la révision et le vote de la charte de l'intégration du genre dans le paysage des médias en Suisse. Bien, merci. Dernière escale dans notre ronde du monde, Stockholm. Mais on n'ira pas là-bas parce que le chef de coopération suédoise est dans cette salle. J'invite donc M. Joachim Bejmo, qui est dans cette salle, pouvoir venir parler au nom de la Suède. Merci. Merci pour la parole. Honorables députés et sénateurs, Excellences, le ministre des Communications et Médias, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers journalistes, Mbote Nabino Banzo. L'ambassade de Suède se réjouit une fois de plus de l'honneur que Internews lui fait d'être présente à l'occasion de la 30e journée internationale de la liberté de la presse, avec comme thème de cette année l'information comme bien public. Nous profitons de l'occasion pour féliciter d'une manière particulière les organisations professionnelles des médias, notamment Journalistes en danger, Jet Danzig, l'Association des médias d'information en ligne et l'Union nationale de la presse du Congo, l'UMPC en ligne, que le programme MSDA appuie directement. Les programmes qui nous appuyons offrent aux organisations des médias et des radios communautaires un espace d'information, de formation et de plaidoyer pour construire la synergie, promouvoir une citoyenneté responsable, identifier des méthodes novatrices et constructives en vue de favoriser l'accès à l'information non partisane auprès de la population congolaise. Internews est un des partenaires cadrés de l'Agence suédoise de coopération et développement international, une agence qui est intégrée dans notre ambassade ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, pour l'UNESCO, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 mettra notamment en évidence trois impératifs pour cet écosystème. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information. Deuxième, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet. Troisième, le renforcement de l'éducation aux médias et l'information permettent au public de reconnaître et de valoriser le journalisme en tant qu'élément essentiel de l'information, elle-même considérée comme un bien public. MIL-RDC et le collectif 24 mettront l'accent sur l'exemple de l'accès à l'information publique pour décrire la notion d'information comme bien public. Depuis 2029, le collectif 24, coalition d'une organisation de la société civile, mène un plaidoyer pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information, comme elle a expliqué la directrice adjointe de l'Internews. Ce plaidoyer a été notamment soutenu par la coopération suédoise, la Suède ayant une expérience particulière de la régulation de l'accès à l'information publique, puisque le premier pays à s'être doté d'une loi au XVIIIe siècle, le second étant les États-Unis. C'est pas mal d'être le numéro 2, ça va. La loi d'accès à l'information, comme la modification de la loi portant exercice de la liberté de presse, sont des engagements pris par le président Tshisekedi, un demandement pour mieux protéger à l'information, garantie par l'article 24 de la Constitution.
au travers du projet Strengthening Rural Radio for Impartial Information in Democratic Republic of Congo, pour la radio communautaire, et de sa participation dans le schéma MSDA, la Suède appuie les deux plaidoyers avec un focus sur la définition d'un statut fiscal adapté communautaire qui compte la RDC. Les possibilités d'une participation responsable des médias et de la presse à répondre aux questions vivant dans la pauvreté. La Suède soutient pleinement les initiatives qui permettent aux radios communautaires, médias et aux organisations de la société civile de développer leur environnement et promouvoir le respect des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous souhaite tous une agréable célébration de la Journée internationale de la presse. Natombeli, Binotongo, Pe Mosala Elam. Le Lingala, c'est patrimoine mondial hein, de l'humanité, n'est-ce pas? On parle de 30 ans. 30 ans de la déclaration de Windhoek, cette réunion qui a permis d'effectuer cette déclaration a été organisée sous l'égide de l'UNESCO. Peut-être qu'on ne le sait pas toujours. C'est pourquoi je voudrais inviter le représentant adjoint de l'UNESCO à Kinshasa, M. Omar Diop, à pouvoir venir prononcer, n'est-ce pas, la déclaration officielle de la directrice générale de l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je n'ai pas malheureusement encore appris le Lingala parce que je viens fraîchement d'arriver à Kinshasa. Mais ça ne saurait tarder. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice. Honorables députés et sénateurs. Excellence, Monsieur les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Monsieur le directeur pays de Internews. Madame la directrice adjointe. Monsieur le secrétaire exécutif des journalistes, de Journalistes en danger, distingués invités en vos titres, qualité, révérence observée. Chers amis journalistes, mesdames et messieurs de la presse, permettez-moi avant toute chose de féliciter tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement et d'adresser en même temps des chaleureuses félicitations à l'honorable Patrick Muyaya Katembwe pour son entrée au gouvernement de la République démocratique du Congo en qualité de ministre de la Communication et des Médias. Ceci, bien sûr, au nom du représentant Dr Jean-Pierre Ulboudo, qui est actuellement empêché, parce que tout simplement, à Pointe-Noire, en République du Congo, pour une conférence régionale organisée par l'UNESCO et ses partenaires à l'occasion justement de la célébration de cette journée-là. L'événement mondial de 2021 ramène la Journée mondiale de la liberté de la presse à ses racines en se concentrant sur les questions contemporaines qui sont liées à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et au rôle du service public du journalisme au sein d'un écosystème de communication en mutation. En défendant la notion de l'information comme bien public, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 souligne la différence importante entre l'information et d'autres types de contenus de communication tels que la désinformation, les discours de haine, le divertissement et les données, dans l'objectif d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées
dans l'intérêt du public et sur la façon dont il dépend d'un écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Ceci ressort clairement du message de Mme Audrey Azoulay, qui est la directrice générale de l'UNESCO, qui déclare, je cite, et là je vais vous lire son message, « Il y a aujourd'hui 30 ans, des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs de toute l'Afrique se rassemblaient pour rédiger un appel en faveur de la liberté de la presse, ce qu'on appelle la déclaration de Windhoek sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette déclaration historique visait à faire de la libre circulation de l'information un bien commun, un objectif toujours d'actualité. Depuis 1991, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Des possibilités inouïes s'offrent à présent à nous pour nous exprimer, nous tenir informés et communiquer avec les autres, mais nous devons également faire face à la montée de la désinformation et des discours de haine, au bouleversement des modèles économiques, des médias et à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de sociétés privées. La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fiables. C'est grâce au journalisme indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette crise. Les journalistes se sont rendus sur le terrain, souvent à leurs risques et périls. Beaucoup d'entre eux ont été menacés, arrêtés, harcelés, en particulier les femmes. 62 journalistes ont été tués pour leur travail en 2020. Et bien d'autres ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Nous leur en sommes immensément redevables. La pandémie a également aggravé des problèmes existants. De nombreux médias faisant désormais face à des pertes financières. Le pouvoir des plateformes Internet s'est encore renforcé à la faveur des confinements qui nous ont contraints à effectuer en ligne une grande partie de nos activités quotidiennes. Les fausses informations et les rumeurs ont fleuri avec parfois de terribles conséquences. Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'information comme bien public, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, mais tout en luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Ce thème concorde avec les efforts menés par l'UNESCO pour garantir la bonne santé à long terme d'un journalisme indépendant, pluraliste, ainsi que la sécurité des professionnels des médias partout dans le monde, notamment dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Dans le cadre de ces efforts, nous nous employons à instaurer une plus grande transparence sur les plateformes en ligne dans des domaines tels que la modération des contenus, tout en respectant les droits de l'homme et les règles internationales en matière de liberté d'expression. Nous dotons les citoyens, au titre de l'éducation aux médias et à l'information, des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce nouveau paysage de l'information et leur permettre d'éviter les tromperies et les manipulations en ligne. Aujourd'hui, nous nous employons également à faire en sorte que l'évolution de ce paysage soit prise en compte dans les principes inscrits dans la déclaration de Windhoek. À l'heure où nous célébrons le 30e anniversaire de ce contexte, de ce texte fondamental lors de la conférence mondiale sur la liberté de la presse, qui doit se tenir à Windhoek en Namibie les 2 et 3 mai, que nous sommes. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'appelle chacun et chacune à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression, à défendre les professionnels des médias et à se joindre à nous pour garantir que l'information reste un bien public. Fin de citation. C'était là le message de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Je vous remercie.
Bien, merci. Je voudrais signaler qu'entre-temps, Son Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains est arrivé, honorable Fabrice Pella, mais également la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Colette Tchomba, qui se sont ajoutés à notre célébration. Alors, nous sommes presque en train d'arriver à la fin, mais il se fait que l'actualité oblige. Ces jours ici, il y a eu plusieurs problèmes avec les journalistes, notamment des brimades, des tracasseries envers les journalistes, et particulièrement des journalistes femmes. Comme c'est la journée de la liberté de la presse, nous avons invité ici la représentante d'une association ponctuelle, une dynamique qui s'est créée depuis quelques heures, qui a un mot à dire ici aux représentants de l'État, mais également aux organisations professionnelles. Madame Gudu Boalia, vous avez la parole. Monsieur le ministre, messieurs les honorables députés et sénateurs, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, à vos titres et qualités, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse que nous commémorons en ces jours du 3 mai sous les titres Information comme bien public, nous, femmes de médias, profitons de cette occasion pour dénoncer ces nouveaux phénomènes d'attaques et menaces à l'encontre de journalistes en général et de femmes journalistes en particulier, un phénomène qui entrave l'exercice du métier de tous ces journalistes. Nous ne citerons pas Paulette Kimuntu, Élisée Odia, Pierrot Louara, Peter Tchani, Stani Boujakira et tous les autres journalistes menacés virtuellement ou attaqués physiquement. Et tout ceci aux yeux de nos autorités politiques censées nous protéger. Devant cette auguste assemblée, nous ne pouvons qu'une fois de plus plaider pour une presse libre et impartiale en vue de produire, comme le dit le Calico, l'information sans masque. Et voulons la protection de nos autorités dans l'exercice de notre métier. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de faire un sit-in devant les instances décisionnelles contre toutes ces attaques et insultes qui touchent à notre intégrité morale et physique. Et voilà, n'être pas d'accord avec un journaliste est un droit, mais les insultes, les attaques et intimidations sont inacceptables. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Merci madame pour votre plaidoyer. Je ne sais pas comment je vais le présenter, celui qui va prendre la parole maintenant. Il est de la profession, il est député, mais c'est le nouveau patron du secteur. Monsieur Patrick Mouyaya, notre ministre, ministre d'État, c'est à lui que va revenir maintenant l'honneur de pouvoir dire un mot à l'occasion de cette journée si importante pour tous les professionnels des médias. Excellence, je vous invite respectueusement à prendre la parole. Bonjour à tous. Honorable député, Excellence Monsieur
humains, monsieur le vice-ministre de la Justice, messieurs les ambassadeurs et représentants de la représentation diplomatique, monsieur le vice-président du CESAC, monsieur le secrétaire général de GED, monsieur le président de l'UNPC, madame la représentante de Internews, monsieur le président de Mille RDC, tout protocole réservé, j'espère n'avoir rien oublié. Je voudrais, avant d'ouvrir mon petit texte, réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par ma consoeur, excusez-moi de parler encore en ces termes, du Dil Boalia. Je crois que nous avons fait beaucoup de pas dans ce pays dans la marche vers la démocratie. Et quand la démocratie évolue, autant elle évolue avec la liberté d'expression, autant elle doit évoluer avec la tolérance. Vous savez que ce n'est pas toujours évident de rencontrer des personnes qui pensent démocratie véritablement. On parle de démocratie comme slogan, mais on ne les vit pas toujours. Et malheureusement, cela peut avoir des incidences, notamment sur les journalistes et ceux qui exercent les métiers. Il faut considérer que l'un de vous est de l'autre côté pour s'assurer que ces choses-là ne se reproduisent pas et que toutes les dispositions soient prises pour que le journaliste soit protégé. Mais il faut nous aider aussi à vous protéger. Et donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'allais dire, chers confrères et chères consoeurs, parce que j'ai l'impression d'être à la maison. Ce n'est pas le fait d'avoir été nommé au gouvernement qui m'éloigne de mon métier d'origine. Et d'ailleurs, si je dois vous faire une petite parenthèse, quand nous préparions le premier compte-rendu du gouvernement, j'ai eu l'impression d'avoir repris le métier parce que nous voulions que cela se passe très bien, que l'on sente qu'il y a un professionnel qui a repris le métier. J'espère que les premiers pas à rencontrer vos attentes nous ferons davantage parce que je suis le ministre de la Parole. Mais je suis surtout le ministre de l'écoute. Et dans les métiers qui sont les nôtres, si vous n'avez pas une oreille pour écouter, je ne suis pas sûr que vous ferez beaucoup de pas. Je disais donc que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, la première depuis ma nomination en tant que ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour le choix porté pour ma personne pour diriger ces ministères stratégiques. Je dis stratégiques parce que c'est ces ministères qui vont conditionner, y compris les rôles du Congo dans l'Afrique et dans le monde. Il s'agit de redorer l'image, j'en ai reçu mission, et pour redorer l'image, les premiers alliés, ce sont les journalistes. C'est aussi l'occasion de vous remercier, parce qu'au cours des rencontres que certaines organisations ont eues avec les présidents de la République, y compris le Premier ministre, ils avaient formulé la requête de voir un professionnel nommé à ces départements. Je considère donc comme ma nomination comme une conséquence de votre démarche. Soyez-en remerciés. Bien avant d'aller dans les vifs de mon propos, je me fais le devoir de rappeler le contexte qui a conduit à la célébration de cette journée. On appelle Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée qui a commencé en Afrique. Et très malheureusement, parfois quand on parle du continent, on veut plus faire attention à ce qui est négatif, à ce qui est violation. Il y en a, on les dénonce, mais il faut aussi regarder cet apport que nous voulons apporter à l'humanité. Je considère que la journée d'aujourd'hui est une contribution du continent pour que ce droit garanti par tous puisse être célébré. L'information comme bien public est le thème principal de ce jour. Alors, quand on parle de bien public, peut-être que les gens ne le visualisent pas. Les biens publics, dans notre contexte, c'est comme les palais du peuple. C'est un bien qui nous appartient à tous. Nous tous, nous devons le protéger, même si ce sont les élus qui siègent là-bas. Et donc, ma compréhension du thème de ces jours, information comme bien public,
c'est une interpellation pour nous tous, pour nous assurer que l'information passe. Vous savez, quand nous grandissions, j'espère que c'est toujours le cas, le journaliste, on disait toujours « Monsieur le journaliste » avant. Ça veut dire que la société nous a toujours donné cette marque de respect parce que c'est grâce aux journalistes que l'on sait ce qui se passe autour de nous, que l'on sait ce qui se passe autour de la communauté. Cette reconnaissance sociale, nous devons toujours la mériter. Et c'est donc dans l'optique de préserver ces droits, c'est aussi dans l'optique de se conformer à l'évolution du monde aujourd'hui que dans le programme du gouvernement, il y a des choses qui ont été dites de manière claire et précise. Je les cite. Nous comptons poursuivre et parachever des réformes législatives structurelles du secteur de la presse et de la communication. Ici, il s'agit principalement de deux réformes. D'abord, celle qui concerne la révision de la loi de 1996, il y a 25 ans. À l'époque, il n'existait pas encore ni l'RDC. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous conformer à l'évolution du temps. Il s'agit aussi de faire aboutir finalement, parce que ces textes ont beaucoup souffert, la loi sur l'accès à l'information. Ça fait plusieurs navettes et plusieurs mois qu'on en parle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, moi en étant au gouvernement, de suivre et de nous assurer que ces textes aboutissent. En même temps, le gouvernement compte consolider le cadre de collaboration et de concertation avec les structures professionnelles, les médias et les organes de régulation. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis le ministre de la parole, je serai surtout le ministre de l'écoute parce que la question qui concerne les médias est une question éminemment stratégique qui requiert un travail en chaîne. On parle de rédaction. Dans une entreprise de presse, il ne s'agit jamais d'un seul individu, il s'agit toujours d'une chaîne et d'un groupe. Et l'option du gouvernement, c'est de fonctionner en étroite collaboration avec les structures professionnelles et tous ceux qui opèrent dans les secteurs pour que nous puissions être sûrs que, sur ces points de vue, les choses sont bien faites. Nous allons, dans le cadre de ce que nous avons prévu, instaurer un cadre de médiation des différends et éventuellement régler les conflits pouvant opposer les professionnels de médias au pouvoir public. Parce que très souvent, on a l'impression que les pouvoirs publics ont tendance à brimer les médias. Je crois que je parle sous le contrôle de beaucoup des professionnels ici. Lorsque vous exercez votre métier dans le professionnalisme, c'est difficile qu'on vous inquiète. Peut-être que c'est aussi là l'interpellation qui doit concerner le monde académique et les organisations de la corporation, sur comment les journalistes sont formés, sur comment on les prépare à faire ce travail aujourd'hui qui est très stratégique et qui permet au pays d'avancer. La dépénalisation des délits de presse est un objectif commun. Nous devons faire ce chemin ensemble dans la sincérité et la responsabilité. Mais vous savez tous, mieux que moi d'ailleurs, que notre métier est infiltré par ce qu'on a appelé ici les moutons noirs, qui régulièrement font du dérapage et ternissent l'image de notre profession. Je ne voudrais pas aller en profondeur sur ces sujets, mais vous savez que certains qui sont à la base de certains dérapages n'ont pas été formés pour exercer les métiers qui sont les nôtres. Je partageais avec certains collègues du gouvernement, je disais que chaque fois que vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, c'est comme s'il y avait un crash d'avion quelque part. Lorsqu'il y a un crash d'avion dans le monde entier est au courant. Et lorsque vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, le monde entier est au courant et ça dépeint sur l'image du pays. Je dirais, je ne prendrai pas la responsabilité ou un quelconque engagement de manière, en termes de promesses, mais je ferai de mon mieux pour que ces choses-là ne se reproduisent plus ou se réduisent davantage. Ici, il est d'abord question de renvoyer l'image d'un Congo qui consolide sa démocratie dans le monde. Et la consolidation de la démocratie
passe par le respect de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, distingués invités, aucune de ces réformes, je disais donc, ne peut se faire sans un travail collectif efficace en amont et sans une remise en question des médias que nous avons développés jusqu'ici. Très souvent, nous parlons de moutons noirs, de ceux qui exercent la profession, mais si nous devons aussi jeter un coup d'œil sur la nature de nos médias, peut-être qu'on peut aussi y trouver des moutons noirs. La bonne nouvelle, c'est que se tiendront à Kinshasa les états généraux de la presse, qui réuniront les acteurs concernés sur cette problématique. C'est un grand rendez-vous que j'ai trouvé sur ma table. Je crois que nous devons arriver à le faire et à nous parler franchement, les yeux dans les yeux, pour que nous puissions situer les responsabilités des uns et des autres et voir de quelle manière, malgré la difficulté, la pauvreté du pays, nous pourrons avoir des entreprises de presse qui seront économiquement viables. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui y ont travaillé dans ce sens. Je sais qu'il y avait les ateliers des Zongo qui préparaient justement ces assises. Je sais qu'il y a d'autres qui réfléchissent aussi. Nous nous organiserons pour que ces rendez-vous soient un rendez-vous historique. Alors, je disais, ces cadres nous offriront l'occasion de parler à la fois de la nature de nos médias, de leur évolution et de leur devenir à cette période où l'information court à la vitesse de l'éclair et où la pratique du métier peut se faire à partir d'un simple smartphone. À l'époque, il y avait des nagras. À l'époque, il y avait des bandes de montage. Mais aujourd'hui, avec un simple téléphone, vous pouvez à la fois faire une interview, faire un montage et faire la diffusion. Nous avons vu la démonstration qui nous a été faite tout à l'heure. Nous devons, nous, nous adapter. Pour mettre en place des textes qui nous permettent de nous projeter et de nous assurer que ces secteurs demeurent le poumon principal de la respiration de notre démocratie, de l'attractivité économique de notre pays et de l'amélioration de son image de marque. C'est ici l'occasion de dire que nous devons sérieusement nous remettre en question, car c'est à travers le média que se façonne l'image d'un pays, l'image d'un peuple. Quelle est l'image de notre pays aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour l'améliorer? Le gouvernement a la ferme volonté, à travers mon ministère, d'échanger les narratifs et la manière de raconter les Congos. Mais se passe-t-il pas de bonnes choses chez nous? N'avons-nous pas de petits champions dans tous les domaines en mettre en avant pour inspirer nos jeunes? N'y a-t-il pas d'autres histoires à raconter que nos politiques politiciennes? C'est des questions que nous devons nous poser. La nature de notre contribution pour le développement de notre pays dépend de notre manière de répondre à ces questions. La pauvreté des médias que nous déplorons aujourd'hui est aussi due à la pauvreté du pays. Si nous nous organisons pour aider les pays à se développer, nous aurons des médias développés qui permettront aux journalistes d'exercer un métier où on ne pratiquera plus le terme que je ne veux pas répéter, mais que tous nous connaissons. Mesdames et messieurs, distingués invités, la gouvernance à l'ère des réseaux sociaux nous impose d'adapter totalement l'organisation de la communication gouvernementale. À ces propos, le Premier ministre a tracé le boussole devant l'Assemblée nationale. Je le cite. La communication sera donc utilisée comme les vecteurs de la redevabilité, de la citoyenneté et de la construction de l'unité nationale. L'avènement des réseaux sociaux, la vitesse de la circulation des informations, avec notamment les fake news, prennent de court tous les gouvernements du monde. La seule parade face à cela, c'est l'obligation de transparence. Les structures étatiques actuelles ne permettent pas de répondre pleinement à cette exigence tant au plan légal qu'au plan organisationnel. Aujourd'hui, il est question de faire de la loi sur l'accès à l'information une priorité justement pour permettre de garantir cette transparence. Les ministères que j'ai hérités ne disposent pas, par exemple, d'un service ou une direction chargée des médias en ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution de l'information nous oblige, nous, structures étatiques, à mettre en place des structures pour rattraper le temps. C'est un défi énorme, mais au niveau du gouvernement, il y a une volonté manifestée dès le départ par le président de la République pour que nous puissions y arriver. Dans ma mission, c'est aussi celle de mettre en place
d'adapter, de moderniser les circuits d'information du gouvernement. L'obligation de redevabilité nous impose d'être proactifs et de répondre aux exigences de plus en plus grandissantes de nos populations. C'est un immense chantier. Ce ne sont plus les journalistes qui posent des questions aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Twitter et sur les réseaux sociaux, des opinions changent, des ministres démissionnent, simplement parce que les citoyens ont pris la parole. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de se mettre à ces diapasons pour répondre autant faire ses peu à ce que le peuple réclame, parce que c'est de lui que nous tirons notre légitimité. C'est dans cet esprit que nous comptons commencer le travail par les médias publics, pour faire un miroir des efforts consentis pour apporter le changement tant voulu par le peuple. Il nous faut non seulement moderniser les infrastructures, mais il faut surtout renforcer les capacités de son personnel, de les adapter aux nouvelles technologies, et les secteurs privés emboîtera le pas. Parce que les meilleurs dans notre société, dans le métier qui est le nôtre, viennent de la RTNC. C'est la maison mère, comme on aime à le dire. Le jour où nous ferons un peu plus d'efforts pour que la RTNC soit ces médias modernes que nous voulons tous avoir, les médias privés emboîteront. Aujourd'hui, les gens recourent à ce qu'on appelle replay. Quand on rate un journal de 20 heures, on revient à la maison, on prend son téléphone, on les trouve. Et malheureusement, les médias publics n'est pas encore en mesure de répondre à ces défis. Nous sommes là, nous sommes engagés avec les journalistes qui y sont pour que cette réalité change. Mesdames et messieurs, je ne saurais donc clore mon propos sans aborder cette question d'actualité sur l'état de siège pour lequel nous attendons les détails dans les prochaines heures après la signature de l'ordonnance par les présidents de la République. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ça fait plus de 20 ans que nos populations de l'Est sont décimées, que l'autorité de l'État est bafouée. Cela ne peut plus continuer. Nous aurons le temps d'y revenir le moment venu, mais je pense que dans cette quête pour la paix dans cette partie du pays, les médias ont un grand rôle à jouer. Je voudrais donc attirer l'attention de professionnels de médias que l'exercice de votre métier ne vous exonère pas de votre devoir patriotique de soutenir nos forces armées et nos éléments de police qui seront déployés pour cette fin. Parce que le jour où le Congo retrouvera sa paix, les médias retrouveront aussi leur paix parce qu'ils ne seront pas obligés de travailler dans des conditions de guerre ou dans des conditions difficiles. Parce que parfois, les dérapages viennent des pressions justement que subissent ces éléments qui sont et qui travaillent sous pression pour amener la paix. Nous devons privilégier la cohésion. Et si nous voulons consolider l'unité nationale, la cohésion autour de nos troupes, les seuls vecteurs, c'est les médias, c'est les vecteurs principaux. Nous devons donc nous assurer que les médias jouent leur rôle dans cette quête. Nos frères des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, ont besoin de solidarité. Et nous aurons, le moment venu, l'occasion de discuter sur la manière de construire cette solidarité. Je vais terminer mon propos en réitérant ce que j'ai dit tout à l'heure. Je serai le ministre de l'écoute. Parce que très souvent, les politiques en parlent, d'expérience des députés, parfois nous énervons. Et vous savez, honnêtement, que nous ne disposons pas d'assez de moyens pour régler tous les problèmes de nos populations. Et que par notre capacité d'écoute, nous pouvons être en mesure de commencer déjà à soulager ceux qui ont des plaintes. Et vous pouvez être sûr que je serai ces ministres-là. Je ne voudrais pas faire une promesse, mais je veillerai personnellement, durant mon passage dans ces ministères, à toujours promouvoir l'exercice de la liberté de la presse, à toujours le protéger. Toujours le protéger sur tous ceux qui l'exerceront dans les respects de lois de la République, parce que c'est ce qui contribuera à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel. Les meilleurs remparts du journalisme, c'est le professionnalisme. C'est sur ce mot que je vais terminer mon propos en nous souhaitant tous une bonne
faite et j'espère que dans le jour qui vient, très rapidement, nous pourrons avoir des résultats dans les secteurs qui nous concernent. Dans notre métier, ce n'est pas d'abord une question de moyens. C'est une question de volonté et la volonté politique, vous l'avez. Je vous remercie. Merci, Excellence. Avant de terminer complètement, deux petites communications. La première, c'est que à la fin de cette cérémonie officielle, il y aura un plateau d'exposés tout à l'heure, avec des exposés notamment sur le thème de la journée, l'information comme bien public à l'heure du coronavirus. Nous aurons également un exposé sur l'information journalistique face à la flambée des plateformes numériques et un dernier exposé sur l'activité journalistique à l'ère du numérique avec les nouvelles pratiques et les nouvelles habitudes. Ça sera dans cette salle tout à l'heure. Deuxième communication, c'est que nous allons faire des photos de famille à la fin de cette cérémonie et l'ordre vous sera indiqué au moment opportun. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le Président du CESSAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le Secrétaire général de Journalistes en danger, Messieurs et Mesdames les responsables des organisations professionnelles et corporatives des médias, Messieurs les directeurs généraux de l'audiovisuel public, de l'Agence congolaise de presse et des organes du secteur privé, distingués invités, troupes protocoles respectées, chers consoeurs, chers confrères, ainsi donc s'achève cette cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Avec votre permission, Excellence, je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour l'hymne national. Chorale, s'il vous plaît, hymne national. Merci. Le protocole me dit qu'on peut commencer les photos de famille par cet ordre. Nous allons d'abord inviter Son Excellence Monsieur le Ministre d'État à faire la première photo avec les organisateurs, s'il vous plaît. Vous pouvez occuper les premières places. Je disais donc que cette profession doit s'exercer en toute liberté, mais en tout cas, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a pris la parole pour rappeler la responsabilité. Que le seul rempart pour ce métier, c'est le professionnalisme. Dès qu'on l'exerce dans le strict respect de la déontologie des